Et boum, les amis, nous voilà revenus dans les épopées de Norman Reedus. J'essaie de me souvenir comment il s'appelle dans Walking Dead. Danny? Non, c'est pas... Non. Merde, comment il s'appelle dans Walking Dead? J'ai oublié déjà. Daryl! Merci Arminger, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé Walking Dead. Il me semble d'ailleurs que Walking Dead, ils ont pas une saison. Elle sort quand la prochaine saison? Parce que moi, avec Melana, à chaque fois on a regardé dès qu'il y a eu une nouvelle saison, mais la dernière. Oui, voilà, pareil, j'ai lâché vers la fin avec les marcheurs, je sais pas quoi. Pareil, c'était pas les marcheurs, c'était les murmureurs, il me semble. Salut, ma beauté, Sam. Alors, vous avez testé votre squelette tout terrain, c'est fascinant, je sais, cœur. Oh, paire de fesses à l'envers. Mais certains porteurs ne les aiment pas, apparemment le design est trop fonctionnel. C'est trop bien, en fait. Je me demande s'ils ont essayé, au moins. Je crois que leur discours serait bien différent. Ils enchaîneraient les éloges sur la facilité avec laquelle on peut traverser les blancs de neige ou les terrains rocailleux et sur le mode turbo qui permet de remonter des pentes ou des rivières sans aucun effort. J'ai fait un lapsus, hein. Je vous vois venir. Alors, certes, il ne permet pas de porter plus de marchandises, mais c'est assez normal puisque l'accent a été mis sur l'équilibre et la stabilité cette fois-ci. Je suis sûr qu'on pourra faire encore mieux avec les prochains modèles. Alors, je vais arrêter de râler après les râleurs. Mais n'oublie pas d'utiliser le squelette à chaque fois que le terrain devient difficile. Enfin, je n'ai pas besoin de le préciser. Je sais que vous êtes plus malin que tous ces autres gars. En piégeant des photos de moi à poil. Bisous. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu ce jeu, je l'ai fait à... Ah, tu l'as fini? Moi j'aime bien, hein. Franchement je kiffe. Allez, on se barre. Et par contre il est long, hein. Pff, si tu fais toutes les tous les quêtes secondaires... Allez, on se barre. Ah, bah, je peux pas me barrer? Il m'empêche de me barrer. Il veut que j'aille faire caca. Quel est le problème? Ah, je dois examiner la chambre privée. C'est ma quête. C'est nouveau, ça. Ok, on examine la table. Voilà, c'est examiné. Bon, je dois passer tout en vue. Ah merde, le bébé! Lou. Lou. J'avais même pas fait gaffe qu'il était plus là. Vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour. Où est-ce qu'il regarde? Du moins, sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Pourquoi il avait une goutte de sueur? Deadman nous cache quelque chose, je suis sûr que c'est... il a pas le sexe qu'il nous montre. Expliquer comment fonctionnent ces incubateurs, dont on sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est semblerait-il progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, ça. Mais c'est un vrai bébé, du coup. C'est parce qu'on est partenaire. Partenaire. Sam, un bébé est un outil. C'est un Frankenstein. J'avais même pas remarqué sa cicatrice sur le front. Ou j'avais oublié. Et alors, c'est quoi son problème?
Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule... Salut Strasune, salut ma poule. Il a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a évidemment, 70% un bébé, c'est du matériel. De, façon irrémédiable, rien qu'en essayant de l'extraire. Le mec, il a deux doigts de comprendre que c'est un bébé. Parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Mais c'est pas une arme, je comprends pas. Il cessera de fonctionner. Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir... Ah bah faut le buter. Enfin, je veux dire, il n'a pas sa place parmi les vivants. Qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète... J'avoue, c'est la place ça, des bébés. Il va me laisser un temps. Et non pas dans leur berceuse. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax. Le bébé redevient... Il n'a pas d'âme, voyons, c'est un bébé. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance. On va pas en faire un drame. Ah mais le mec l'avait pris au début, donc pourquoi tu nous l'as amené? Putain, le bébé qui se fait manipuler en tous les sens. Oh ah, c'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Oh. Oh. Tu la mets dans un pot rempli de miel? C'est ça. J'ai pas essayé, faudrait que j'essaye. Si ça se trouve, elle pourrait détecter des échoués. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. Oh, rajouter une couche, c'est un bébé, mais Deadman, mais franchement, fait carrière, devient le nouveau Gad Elmaleh, ou mieux encore, Jean-Marie Bigard, sale pute, salope, badoumts, bah, il fait caca dans ma douche, il s'y fait. Ah, il se nettoie, tout habillé. On va prendre une douche avec lui. Excuse-moi, je fais caca, je vais te laisser une odeur. Ah merde, j'ai plus d'allumettes. Oh, il se passe un truc là. On est à l'abri des oreilles indiscrètes ici. Y a que vous et moi. Y a pas de moyen de nous enregistrer. Ni d'analyser. Il avait tout prévu, il avait prévu de se faire pisser dessus. Approchez. Die Hard Man ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement. À la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Encore ? Les bébés ont été interdits. Et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Mais vas-y, postillonne-moi dans la bouche. La présidente, Strand. Bridget. Ah vas-y, allez, on peut être à trois, hein. Il y a de la place. Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant... Excessive weight, oh putain. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Oui, Vicious, j'ai vu ton message, attends. Les incorporer au réseau général pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hard Man? J'ai bien... Ah bah, il a fait dans... il a joué dans plusieurs films. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous...
Oh putain, mais comme vas-y, vous connaissez mais... depuis une paye. T'as une haleine de merde, mec. Je suis pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été bandé. Deadman. Désolé. Tu bandes ? Les données que j'ai trouvées sur les box sont toutes. Qu'est-ce que c'est que cette bosse ? La confidentialité le plus élevé, d'après ce que j'ai pu voir. Le directeur est le seul à être habilité. Putain, mais c'est. Mais grâce au réseau Chiral, nous avons une nouvelle c'est opportunité. C'est gênant, Deadman. Les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays. Alors je serais peut-être en mesure de reconstituer putain, de nouvelles pièces. Putain, puis en plus, vas-y, gros plan sur les boutons de Daryl. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. La buée sur ses lunettes. Oui, il faut l'imaginer. Ah, il y a des gouttes, mais... Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Oh, Sam, putain, tu m'en as mis plein la moustache. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Oui, Bébé, ok. Oh non. Ça marche pas. C'est vous qui avez ça, on ne peut pas laver des fringues comme ça. Ça ne marche pas. Ça, arrêtez, ça, vous me foutez allez, la trique. Et la trouille. Pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment. Les mecs dans le couloir, ils vont voir le mec sortir avec de la flotte. Dis donc, Deadman, il faut que vous arrêtiez votre trip de vous laver tout habillé. À un moment donné, des vêtements, ça change. Tu sais, le mec te parle dans le blanc des yeux, mais tu vois pas ses yeux à cause de la buée. J'avoue, ça aurait été drôle. Mais c'est un peu comique, hein. Est-ce que Kojima... Je pense que Kojima, il a dû se dire, putain, c'est un truc super sérieux, machin. Je suis désolé, n'importe quel joueur au monde trouve la situation un petit peu cocasse, hein. Alors, mon cher Vicious, je pense que c'est parce que c'est le shield. Vas-y, je vais le virer, le shield, parce que ça a l'air d'être de la merde. Voilà, il y est plus. Voilà, de toute façon, ça y était pas avant et c'était très bien. Bon, du coup, il veut couper mon bébé, il veut le détruire. Personnaliser le sac à dos. J'aime pas le shield et Marvel en général. Ah mais attends. En fait, j'avais des trucs là. Stabilisateur. Ils vous aideront à rester debout si vous trébuchez. Quand vous essayez de retrouver l'équilibre, le système de contrôle de posture s'active automatiquement pour vous aider. Et si jamais ça ne suffit ça, pas. C'est marrant quoi, c'est le président par intérim pour votre marchandise. M'appelle à chaque fois pour me balancer un tuto, je veux dire il a que ça à foutre. Mais ça prend toute la place. Je peux le mettre nulle part. Attends, ça je vire. Oh, moulin vent. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Ça marche pas, je peux pas le mettre. C'est quoi ça? C'est marrant, je peux déplacer à droite. Et pas à gauche. Je peux le mettre nulle part, ça sert à rien. C'est super, ce jeu est génial. Ok, le badge 3 roues. Putain, mais ça prend tellement de place. Ah, mais j'ai d'autres conneries, là.
Le badge Kojima Production. Vas-y, je vais mettre plein de badges. La sacoche à grenade. Ah, tu crois que c'était ça qui gênait? Ah. Ah, t'as raison, je pense. Ah, maintenant, j'ai les badges qui gênent. Ok. Ah, ok. Pff. Ah ouais, mais il n'y a qu'un emplacement et après c'est la baise. Attaché. C'est pété. Bon, on va l'essayer quand même. Faut enlever mes pins. Eh, salut Spectre Abyssal. Salut ma poule. Annulé, confirmé. Ok. Ok. On va voir ce que ça donne. Si ça aide vraiment. Saut. Ah, saut avec fragile. Ah, on peut stepper. Nulle part. On peut stepper. Ah, si, ok. Attends, j'en ai galéré pour arriver jusqu'ici. Donc je vais pas me TP là. J'avais pas vu. Félicitations, vous êtes notre première voiture électrique. Mettez cette batterie dans votre dos au-dessus de l'anus. Président par intérim ne s'est pas fait tuer par le bébé dans le pot de miel. Ah. Non, c'est fait tuer autrement. Ce qu'il disait par la cinématique. Bisous, Nefarox. Bonne session, bonne soirée. Bisous, ma poule. Et bonne année, puisque c'est mon dernier live 2022. Hein. Donc après, mon prochain live... Je ferai peut-être un live lundi, parce que lundi, je suis en... C'est un jour férié, donc peut-être je ferai un live. Bisous, Nefarox. Ok, on se barre. Et bonne année. On a plus le bébé, fait chier. À chaque fois, il m'enlève ma petite valve. Lancement du scan. Scan de l'identité. Où est ma valve? Voilà, à chaque fois il l'enlève. Et oui, ils m'ont viré le bébé, ouais. Putain, ouais, le truc dans le dos, ça prend une place énorme. Ok, quelles sont mes missions actives? Philippe North, ok. J'ai perdu ma vue. Salut Spectre, dis ça. Alors, on va se reprendre un véhicule. Que votre bébé n'offrait pas les performances attendues. Il va falloir qu'on mette votre mission principale en attente jusqu'à ce que son fonctionnement soit rétabli. C'est la seule unité compatible avec le Dooms. Dooms Éternel. Et en avançant vers l'ouest, vous allez rencontrer de plus en plus d'échoués. Tenez, puisqu'on en parle. Amélie nous a informé de la présence d'une ceinture de poids près de la ville relais frontière. Une zone gigantesque totalement envahie par des échoués probablement amenés là par X. On a vraiment hâte que vous sortiez de là, c'est indéniable, mais... vous n'avez pas la moindre chance d'y parvenir sans votre bébé. Donc pour l'instant, votre priorité, c'est de donner un coup de main à Deadman pour qu'il le remette en fonction. Puisqu'il est sur place, vous allez peut-être même pouvoir en discuter en personne. Ça... Ah. Je suis un peu occupé en ce moment, alors j'espère que ça vous ennuiera pas qu'on s'en tienne au holo. Tout d'abord, il faut que vous parveniez à connecter un certain nombre de preppers de la région pour faire augmenter la densité chirale locale. Ça devrait permettre de renforcer la connexion entre le BB-28 et sa pseudomère. Ensuite, comme je vous l'ai déjà expliqué plus tôt... Je ne suis pas une pseudomère.
Pour déclencher le processus, il est nécessaire de mettre de la distance entre vous deux, de vous éloigner physiquement. Vous partirez en mission et il restera ici. Si tout se passe comme je l'espère, votre bébé devrait retrouver un fonctionnement normal. Il est sous la douche avec le bébé. Grâce à ce plan, on va pouvoir avancer nos autres objectifs. Il enlève ses vêtements quand il est sale avec le bébé. Absolument, on va intégrer cette région au réseau Chiral. Vous devez essayer de nouer des relations avec les Reapers en leur apportant ce... Ouais, fait pleurer le colosse. Wade, c'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas évident de faire son nid ici, dans ce style. Et pourtant, un grand nombre de gens ont quand même voulu tenter le coup. La ferme, mais putain... On a toute une liste de... Ça part quand même beaucoup trop, hein. Ils auraient pu virer la moitié des textes. Mais attention, Sam. N'oubliez pas que vous avez affaire à des gens qui ont choisi de vivre là. On le sait, gens, on est... C'est l'apocalypse, là. Alors n'allez pas vous imaginer qu'ils vont être faciles. T'as pas des papiers à signer? Vous allez devoir gagner leur confiance petit à petit, une livraison après l'autre. Mais c'est ce qu'on fait depuis 60 heures de vous jeu. Vous allez effectuer des courses sans bébé pendant quelques temps. Votre capacité à détecter les échoués en sera nettement diminuée. Mais on le faisait déjà avant. Et faites attention à tout ce qui sort de l'ordinaire. Et restez le plus possible à distance des précipitations. Ah. Le mec il dit j'ai pas trop le temps là, mais blabla d'une heure. Mais oui, mais c'est ça. Ok. Les bottes. Alors les bots, ça fait monter les étoiles, mais vraiment, vraiment pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est toujours ça. Livraison à la roboticienne. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Eh hey, Cortana, salut la toute belle. A été ajoutée à votre CCP. Comme son nom l'indique, grâce à cette option, vous aurez la possibilité de projeter... J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas Dead Space. J'ai dit qu'on s'était disputé. tu voulais pas me filer mon Camelto, alors que je l'avais gagné honnêtement, dans les règles. Allez, on va fabriquer un CCP, oui. C'est toujours utile. Oh, une moto dégueulasse. Non, non. Non, t'as triché. Mais j'ai pas... Pourquoi j'ai pas triché? On t'a refusé un Camelto? What the fuck? Eh oui, c'est la première. Ressort ultra rebondissant. Ok. Ça, je porte sur le dos. Ok. Oh merde, mes gants sont pourris. Commande attribuée. Ok, on va changer les gants. Les gants d'Alix. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur le mode pour Half-Life Alyx et changer toutes les voix en FR. Et il m'attarde de pouvoir y jouer en VR du coup sans avoir à me taper les sous-titres. Ça me spoil, mais je m'en fous. De quoi s'agit-il ce doigt de pied de chameau? Il y a une VF d'Alix? Non, il n'y en a pas. Mais du coup, je vais en faire une. Je vais travailler dessus. Non, ça, je veux pas. Ils ont ajouté des trucs, les gants, ou cette histoire de ressort, ça ne dit rien du tout. Ah, les gants! Les gants, ça vient d'Half-Life. Les gants, c'est trop bien. T'as des doubleurs sous la main? Non, j'en ai pas. Mais ça se trouve. Et tu sais qu'il y a une chose incroyable qui a débarqué cette année en 2022. C'est les IA. Donc moi, mon idée, mon plan,
Parce que Nvidia nous propose pas mal d'IA. Je peux doubler les Vortigons. Ah, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'avais pensé, c'est prendre les fichiers audio de Half-Life 2, de scanner les voix, et de pouvoir recréer les dialogues avec les voix de Half-Life 2. C'est ça que je veux faire. Pour vraiment avoir les vraies voix. C'est un peu comme le deepfake. D'ailleurs, il y a déjà, ça existe déjà pour le deepfake. Le deepfake peut changer le visage, mais peut aussi changer les voix, peut transformer les voix. En partant de fichiers audio existants. J'ai trouvé une version mode entièrement en français de TIFF, et ça marche parfaitement sur Windows 10. TIFF, oh là là. Ça, c'est un vieux jeu de 2001 ou 2002, si je dis pas de la merde. Voire de 2000. Mettre des gants, ok. Ok, on va recycler ça. Est-ce que j'ai autre chose à recycler? Non. J'y ai un peu joué à l'époque, mais pas tant que ça. C'était bien, mais ça n'a jamais été trop mon délire. Confier. Oui, non. Je voulais fabriquer mon véhicule. Le camion type A. J'en veux qu'un seul, merci. Je donne plus de détails en Discord plus tard, mais c'est un superbe jeu. Ah non, mais je sais bien, hein, je sais que déjà à l'époque c'était... C'était un petit peu un jeu révolutionnaire en termes d'infiltration. Il avait un concept très très cool. Je crois qu'on pouvait orienter notre lame, si je me souviens bien. C'était un des premiers jeux qui proposait de faire ça. Ah, c'est ça. Tu vois, je me souviens. Tu vois, j'ai joué, je sais pas, j'ai dû y jouer quelques heures, mais je crois que j'avais que la démo. J'avais une démo, j'avais dû la finir. Et à l'époque, c'était bluffant. Mais bon, aujourd'hui, la qualité graphique, comment ça s'appelle ? C'est Drakan, quoi. C'est dans le même style que Drakan. Allez, on met tout ça sur le camion. Lui aussi. C'est rétro comme Tomb Raider. Oh, c'est peut-être un peu plus poussé que Tomb Raider, parce que c'était sorti un peu après quand même. Ah, j'ai oublié. Putain, mais je suis trop con. J'ai oublié de prendre la commande. Je suis vraiment un con. Ah mais si, je l'ai prise. Oh si, c'est bon. Ah oui, c'est le truc du docteur, putain. Ah, et le docteur est juste à côté. Et j'efface les repères et je me mets un petit repère ici. Viens voir le docteur. Quand t'as les routes, tu livres une tonne de matos en 5 minutes avec le camion. Ah bah oui.
Ah, j'ai oublié, vous vouliez que j'appelle le bébé, voyons voir. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je fais que passer. Y a quelqu'un ? Eh oh ! Eh oh ! Ouais. Eh oh ! Il appelle pas le bébé. Ouais. Il l'appelle pas le bébé, hein. Eh oh ! Moi, ouais, c'est ça. Je fais que passer. Y a quelqu'un ? Putain de merde ! J'ai tué la présidente. Y'a pas une touche. Mais j'ai plus le gosse là, Arminger. T'as pas suivi, ils m'ont viré le gosse. Faites bon voyage. Soyez prudent. Allongez. Oh putain. Sam, vous me recevez? Lochne. Je vous appelle sur une ligne privée. Lochne. On m'a demandé de prendre la place. C'est un jeu allemand ou quoi? Pour que vous puissiez mener à bien vos missions. On ne parle qu'une, comme avant. Et jusqu'à la fin. On parle toujours, alors... Je ne devrais pas avoir de mal à rattraper mon retard. Vous voilà de retour chez Bridges. Ce n'est pas le problème. Ça ne l'a jamais été. L'important, c'est ce qu'elle veut. Ce qu'on veut toutes les deux. Oh putain, le drama, Mama Lochne, mais... Vous nous avez ces deux aidés, lesbiennes sœurs siamoises, là... On s'en fout. C'est dingue comment on s'en fout, quoi. Ah, les Japonais, s'il vous plaît, Kojima. Trop de créativité tue la créativité. Less is more. Ok, direction le docteur. Ça fait quoi le dédoublement de personnalité, Lochne? En plus, c'était pour nous dire rien du tout, quoi. Elle nous a alpagué comme ça. Oh, ah oui. Ah bah elle est juste à côté. Oh, je vais en chier avec le camion. Oh putain. Je vois qu'il y a des mecs qui ont mis des ponts, donc ça c'est bien. C'est quoi cet angle à 90 degrés? Je ne pense pas que c'est un off-road. Pourquoi il y a le Alpha d'Half-Life? Mais parce que... Parce que le jeu est sorti sur Steam. Du coup, Steam, c'est Valve. Et du coup, vu que ce jeu était à la base une exclu PlayStation, ils ont fait un petit bonus pour les joueurs PC avec des easter eggs Half-Life. Ah oui, non, c'est sympa. Et c'était la même avec FF15. Ils ont fait la même chose. Je crois que dans FF15, tu as moyen d'avoir la combinaison de Gordon Freeman dans Final Fantasy XV, il me semble. Sauf que moi, j'avais acheté Final Fantasy XV sur Xbox. Je me suis bouffé les couilles quand ils l'ont sorti sur PC. Ça m'étonnerait car je ne la prête pas. Mais franchement, Norman Reedus, il ferait très bien Gordon Freeman. Mm-hmm. Ah oui, dans Fall Guys aussi, ouais. Oh, bien. Ah, des vieux. Excellent. Tout a l'air en parfait état. Le cliché du docteur seul à la maison, qui a son bureau à la maison. Avec son assistante, c'est sa femme et sa maîtresse et son amante. Salut Arpa 59. L-
Les mecs avaient vraiment rien à dire du tout. Hein. Oh bah c'est bien, tout est en bon état, bisous. J'avais une question à vous poser. Pourriez-vous m'aider à rejoindre les UCA? Si ma participation peut permettre à davantage de gens d'obtenir les soins dont ils ont besoin, ça en vaut largement la peine. Mais pourquoi ne pas l'avoir... Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Pourquoi m'avoir attendu chez le vieux au bout de la rue? Mais j'avoue, ils étaient à 50 mètres! Yeah, salut ma poule! Eh oui, c'est les UR, pas 59. Ia, va falloir vraiment que tu m'expliques. Hein, comment tu fais pour que tu sois H24 pendant des mois sur mon live? Comment tu fais? Je n'ai même pas encore lancé le live. Je vais juste sur ma page Twitch. Tu es là, tu es dans le chat. Tu penses quoi du jeu pour... Ah, moi, je kiffe, j'aime bien. Regarde, il y a une paire de fesses en forme de lac. C'est trop bien. Comment tu fais comme pour savoir que je suis là? Alors, je l'ai montré en début de live. J'utilise un outil qui s'appelle Speech. Merci beaucoup. Chat qui me permet de savoir exactement qui est présent sur le la page du live. J'achète. le jeu est vraiment très cool. Après, tu m'as convaincu, un seul argument. Regarde, il y a une paire de fesses en forme de lac. C'est voilà. Enfin, il y a un lac en forme de paire de fesses. C'est bon. Et meilleur jeu de l'année. Gotti. Vos livraisons sauvent des vies. Oh putain, je vous préfère crypter sur Canal+, les gars. Chaque vie sauvée représente un échoué de moins dans la nature. Ce qui, à long terme, revient à sauver encore plus de vies. Et si on parlait d'esclavage? Je ne sais pas pourquoi. Même si ça devient trop difficile. Je vous en supplie. Merci, Sam. Je sors de la douche. Les 28 soient en voie de rémission. Comme on l'espérait, son affinité avec l'autre côté est de plus en plus forte. Les convulsions et les spasmes qu'il avait ont également cessé. J'imagine combien c'est difficile d'être là dehors sans votre bébé, mais vous devez continuer de vous accrocher. Comme le fait le bébé. Exactement comme le fait le bébé 28. BB-8. Un nouveau client. Le BB-28. Consultez les détails sur le terminal du relais des montagnes et occupez-vous. Mais vos gueules! Mais fermez vos gueules! Voilà, le jeu est génial, mais par contre, ça parle vraiment deux fois trop. À répéter des trucs que l'on sait. On le savait déjà. C'est vraiment en mode un peu comme les parodies du joueur du grenier. J'avais juste envie de le répéter, voilà. Sans intérêt. On le sait déjà, mais j'avais juste envie de le répéter. Black peut aussi repérer tes webcams chez vous. Effectivement. Donc comment tu fais hier? Putain, mais vous êtes président du PU ou responsable? Mais c'est ça! Le mec, il est président par intérim, mais vas-y, quoi. Il nous emmerde. À chaque fois que je trouve un champignon... Oh, je vois que vous avez découvert un champignon. Mais comment tu le sais? T'as pas autre chose à foutre? Plutôt que de m'observer H24, t'es derrière ton bureau comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vois qu'il marche. Oh, il s'apprête à uriner. Intéressant. Attendez, j'appelle ma secrétaire. Vite, il faut envoyer un décret. Fermez toutes les routes. Norman Reedus va pisser. Mais je l'ai dit. Je les avais pas déjà envoyés? Ah non, ok, il y en a un qui a fini, ok. Déploiement du bot de livraison autonome. J'ai ta page ouverte H24. Mais sérieux? J'ai un navigateur juste pour Twitch. D'accord. C'est dingue ça. Mais des fois, tu dois pas redémarrer ton ordi, et quand tu redémarres ton ordi, tu réouvres tout.
Le stalk. J'avoue. Et pourquoi faire ça? Ça réouvre tout. Ah, t'as tout mis en auto. Mais c'est dingue. D'accord, t'as mis des trucs auto comme ça, d'accord. Mais du coup, je suppose que tu dois avoir plein de pages de streamers. Non? C'est ça que t'as fait. Et du coup, comme ça, dès que t'entends une voix, tu sais qu'il y en a un qui est en live, c'est ça? Oui, du coup, je me posais, mais Numka, il m'a viré parce que je le vois plus. Hein. Numka, il en a eu marre de moi. Mais effectivement, pendant au moins plus d'un an, il était là en permanence. Il a peut-être trouvé un autre système. Ok, maintenant faut se barrer. On va laisser les vieux faire leur nid dans leur arbre. Enfin, les vieux. Il s'est fait hack mode. Ah ouais? Avec. Quoi? Avec demande de rançon? Non. Non. Avec demande de rançon, il avait vraiment des données un peu olé olé sur son ordi. Moi, franchement, j'ai plein de données olé olé sur mon ordi. Si jamais il y a un mec qui me sort, disons, on a récupéré vos fichiers vidéo et images et tout ça machin, on les balance sur le net. Si vous payez pas, je leur dis, faites-vous plaisir. Balancez tout, ouvrez les valves. Si vous faites ça, vous allez me rapporter plein de pognon. Il a perdu une grosse part de ses taffes. À cause de ça? C'est incroyable. Ah, je sais qu'il faut que j'aille là. Comment il a pu se faire hacker le ransomware. C'est incroyable. Et ça, ça quelque part, c'est aussi... Ça, du coup, ça prouve bien qu'il faut faire gaffe. Je pense qu'aucun de nous n'est à l'abri. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter d'installer tout et n'importe quoi. D'avoir trop de trucs sur son ordi, trop de trucs ouverts. De vérifier et de contrôler qu'est-ce qui est lancé, qu'est-ce qui est ouvert. De faire gaffe aussi aux petits logiciels que l'on trouve sur Internet. Que l'on télécharge, qui sont des cracks ou des trucs de genre pour les jeux ou pour autre chose. Windows te dit attention, ce fichier n'est pas safe, vous êtes sûr de vouloir lancer, et au final on le lance, mais il y a une chance sur une pour que ça soit qu'il y ait un truc planqué dedans. C'est pas son genre, c'était vraiment ciblé sur lui, il en avait pour du pognon dessus. Et alors là du coup, ah, le son du jeu est un peu fort. Ok. Est-ce que là c'est mieux déjà? Faut éviter de download 40 porn par jour du coup. Oui. Déjà le porn ça ne se download pas. Ça se regarde et après on efface l'historique. Ah mais oui, c'est un abri, ok. Mais est-ce que je vais attendre que la pluie passe? Ça se filme soi-même, le porno.
Ah, toujours fort. Ah ouais, sérieux, c'est toujours fort. Ok, bon, je baisse encore un petit peu. Ça va, Lou. Ah là, ça va pas être fort, hein. C'est qu'il conduit fort. Est-ce que là, c'est mieux? Peut-être qu'il faut que je fasse ça, en fait, pour valider le... Bon, la pluie, elle s'arrête pas. La pluie ne s'arrête pas. Bon, c'est pas grave, on y va. Tu sais que ton emote boom était dans mes emotes les plus utilisés cette année. Ah, c'est cool ça. Et j'en suis très content. Je suis ton meilleur streamer. Alors, c'est par où? C'est par là. D'ailleurs, j'ai jamais navigué dans cette zone-là. Quel emote boom, j'ai pas vu. Mais vas-y, je t'en prie, IA. Montre-lui. Je ne suis plus seul, mais oui, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Bah, t'as pas besoin d'être sub pour utiliser l'emote. Alerte enlèvement. Ouais, mais attends. Là, j'ai pas le bébé. Attention, attention. Ok, on va se barrer vite fait. On va essayer de faire gaffe de pas se faire choper. Ah, je peux pas m'arrêter là. Si je m'arrête, c'est la mort. Oh putain, les échoués. Non mais sérieusement, le ransomware ça existe, fais gaffe, fais le backup complet. Ah oui, ça existe. Ah, après, moi j'ai un système avec G-Drive et InSync. Donc j'ai mon backup est bien sécurisé. Ok, on a passé le truc. Et j'ai ça avec mon frère, on a fait ça avec notre boîte depuis 2008, en fait. Voire... ouais, non, 2008, il me semble. Non mais les mecs, arrêtez! Voilà, le président qui nous réemmerde. Comme si c'était la première fois qu'on croisait des mules. Je vais lui demander, putain, tu fais bien de me le rappeler, j'avais oublié. Putain, j'avais complètement oublié l'emote. Moi, je profitais de mes vacances, voilà. Est-ce que j'aurais pas fait une bêtise? Non, si, c'est bon. Tu voulais le faire pendant les... Oui, c'est vrai, je l'avais dit. Et après, j'ai oublié. Et tu fais bien de me le rappeler. Oui, la batterie est en train de se vider. Lancement du scan.
l'accès autorisé. Ah oui, vas-y, envoie-moi les idées, ouais. Et puis au pire, je prendrai dedans. Mais il me semblait que la dernière fois, tu m'avais dit que c'était... une emote pour les follow, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Ok, on livre ces merdes. Et salut, c'est Karine V. Salut Sam. Vous avez réussi alors. Quelle solution. Bonnet de Noël. Oh bon sang, vous avez... Ta gueule. Franchement, quand tu fais 100 fois une livraison, t'en as plus rien à foutre de, des petits messages qui te disent « Oh, dis donc, vous m'avez livré plein de paquets. Ça va. Ça fait 100 fois que je te livre. » Moi, je pourrais jamais être livreur de la poste. Hein. Moi, j'en aurais trop marre à force de livrer, après la millième livraison, de croiser des mecs que j'ai déjà croisés et qui me reconnaissent et qui me font « Bonjour, oh, comment allez-vous » et qui veulent faire ami-ami. Mec, je ne peux pas être ami avec les 3000 personnes que je livre tous les jours, mec. Donc, bonjour, merci, au revoir. Surveillez bien vos arrières, personne ne peut. Ah. Non, mais vous imaginez les livreurs, l'enfer qu'ils doivent vivre. Accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Dans les petits villages, ce genre de trucs, ça doit être horrible. Horrible. Moi, je pourrais pas. Ah, il y a un bot qui a fini. Ok. Alors, attends, commande pour Sam. Donc ça, c'est l'histoire. Porteur, disparu et puce. Ok, c'est dans cette zone. Et on doit faire un aller-retour. Ok. Watch your ass. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai fusil d'assaut? Putain, j'en ai qu'un. Vas-y, on va se faire quelques flingues. Commande attribuée. Et voyons voir les commandes standards. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah non, mais... Oh putain, les allers-retours. Oh. Mais ce jeu, c'est vraiment... Vous pouvez pas communiquer par email. Si vous avez... Je viens de la ville relais des montagnes. Alors, regarde, je sais pas foutre un GPS, mais soyez efficace. Si vous avez besoin d'un truc de là-bas, dites-le avant que je parte et je vous l'amène. Merde. Ah non, faut ah merde, ok, j'avais pas pigé. Faut récupérer ça et après l'amener là. Oh putain. Oh putain. Ça suffit. On fabrique des flingues. On va faire 4. TP ? Comment ça TP ? Voilà, ça c'est tous mes flingues. Pour avancer dans l'histoire, là tu dois pas juste connecter les petits avant-postes. Oui, bah c'est ça, je dois faire toutes les commandes pour Sam, quoi. Mmh.
Non, tu peux pas te TP, non. Tu peux pas. Ah si, tu peux par Fragile, mais il faut passer par la chambre. J'ai pas essayé en vrai, il faudrait que j'essaye. Ok, alors on va y avoir la map. Le cadavre est là. Voilà, c'est envoyé. Ah, merci, j'irai voir. J'ai même pas fait gaffe à ma batterie. Merde, j'aurais dû recharger la batterie avant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc pour charger par là, il me semble. Non? Lancement du scan. Scan de l'identité. Ou je peux tout simplement recharger ici? Accès autorisé. Arme désactivée. Les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue. Ah mais non, ça recharge pas. Attends, mais ça recharge pas à l'intérieur du bâtiment? Recharger le véhicule. Fais-le. Oh, putain. Et surtout, ça ne te surprend pas que je suis là à quasiment 5h du mat. Oh non, ça ne te surprend pas parce que c'est les vacances. J'ai envie de dire, pour les vacances de Noël... moi-même, des fois, là, cette semaine, je me suis couché à 4h du mat ou 5h parce que j'ai envie d'en profiter au maximum. J'ai dormi genre 2h. Oui, mais ça me surprend pas. Putain, mais où est-ce que je peux charger le camion, là? Incinérateur. Oh, il m'oblige à acheter un CCP. Accès autorisé. Ah, quoi que j'en ai un. Il me semble que j'en ai un. Si je me souviens où c'est. Ah non, j'en ai pas. Aïe 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 aïe. Et il me semblait que j'en avais un. Ah ou alors attends, il y a un truc que je peux faire. Je peux aller dans la chambre, ça va recharger le camion. Normalement. Et ça va le réparer. Ça va le rendre tout joli. Et d'ailleurs, je pourrais en profiter pour faire une pause. Ça fait déjà 1h. Ça passe vite, hein. Pause bière. Ah, et moi, c'est ça, pause café. Cigarette. J'ai reçu un email. Allez, le petit email avant de partir en pause. Les raisons de l'opposition de Lockneu aux UCA. Oh putain! J'ai enfin compris pourquoi Lockneu ne voulait pas qu'on intègre les UCA. Je ne peux pas dire que je comprends tout, à vrai dire, mais parce que c'est une fille, mais je comprends son inquiétude à l'idée d'inclure des éléments qu'il faudrait mieux oublier. Si tout et tout le monde entrait dans les rangs. Si on prend un peu de son cul, on se rend compte que le terrorisme et la guerre ne pourraient pas s'aggraver si tout le pays était unifié. Pour établir des liens solides dans le couple, il faut pouvoir faire en sorte qu'ils se rapprochent. Et pour ça,
il faut mettre des cartes sur la table et faire des tours de magie, y compris les cartes qu'on ne préférait pas montrer, genre l'as de pique. Ce serait utopique de croire que tout ne va être que bonheur et extase et sexe and sun, parce que les gens se comprennent un tout petit peu mieux. À mon avis, elle n'avait pas tort sur ce point-là, la lesbienne. Lockneux et Mama avaient ce lien spécial qui est spécifique aux jumeaux, des ciseaux. C'est ça qui a fait que Mama voulait porter l'enfant de Lockneux, un enfant qui aurait dû les rapprocher, mais qui a eu l'effet inverse. Il les a en fait divisés et alliés Mama à quelque chose de tout autre. En tout cas, c'est sûrement ce que Lockneux pensait. Lockney. Sachant qu'elle considérait peut-être même que sa sœur voulait cet enfant pour elle. Elle n'a jamais su pour l'accident la vraie raison à tout ça. Je n'ose même pas imaginer. Ferme ta gueule. On appelle ça la consanguinité. Tu es un adorateur de Belzébuth pour stalker le Black Devil comme ça. Oui. Oh d'ailleurs, vous avez vu le trailer de Stalker 2. Ça a l'air sympa, hein. Ils l'ont montré cette nuit, je crois, ou hier soir. Je suis un cube. C'est vrai que t'es un cube, oui, sur Discord. Tu es un adorateur de belles et putes. Quelle planète de pervertis. C'est vrai, hein. Regarde Norman. Cher Sam, laissez-moi d'abord me présenter. Je vous dois la vie. Oh putain, c'est le professeur Langdon. Il va nous donner le code d'Avency. Je suis le gars pour qui vous avez livré cette poche de sang. Si vous n'aviez pas été là pour moi, je ne serais pas en train d'attendre patiemment de pouvoir retravailler ni de vous écrire. Je ne serais pas ici, tout simplement. Quelque part, je serais mort. J'aurais voulu vous remercier de vive voix. Mais comme je ne sais pas trop quand l'occasion se présentera, je me suis dit que j'allais vous écrire et commander une pizza. Je tiens à ce que vous sachiez à quel point je vous suis reconnaissant. Je vous dois la vie. Donc si vous pouviez me livrer plein de trucs... Pour vous remercier, on s'en fout. Oh. On va se mettre de la musique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Tiens, c'est nouveau ça. Je suis très fan de Stalker, j'attends comme un fou. Ah, et moi j'ai jamais fait le premier, mais j'ai toujours été curieux. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Ça en est où les dildos? Oh, bah les dildos, ça sera prêt quand j'aurai fini les modes de Monsieur Redo. Les dildos, ça fait partie de mes. Comment on dit? Merde, comment on dit les engagements de 2023? Non, c'est pas ça qu'on dit. Mes objectifs de 2023, c'est de terminer les dildos. Les résolutions, merci, hein, voilà. Se les faire livrer par Monsieur Ridus. Ok, apparemment, il voudrait se faire sucer, là. Les amis sur YouTube, bisous. Et suite au prochain coup, ça avance à pas d'escargot. Si les escargots avaient des pas. Bisous, bye bye.